Je m'appelle Pierre Larvor, j'ai 19 ans. Je suis invité au club depuis fin 2016 parce que j'ai eu mon examen fin 2016 et j'ai commencé réellement à arbitrer début 2017. Donc j'ai choisi l'arbitrage par passion parce que j'aimais bien le foot. Et donc en tant que joueur, mon niveau était, on va dire, assez bas par rapport au match que j'arbitre maintenant. Donc voilà. Et puis aussi par mon grand-père qui était arbitre. Donc moi j'ai voulu suivre. C'est la confiance, la timidité, s'imposer. Après, au fur et à mesure des matchs, on prend confiance, on s'impose. Et après, ça va être la gestion du match, la gestion des comportements de joueurs, sachant qu'ils sont tous différents. Donc, faut faire avec et puis essayer d'amener le match comme il se doit jusqu'au bout. Moi, je dirais avoir confiance en soi. Être dominateur sans plus et savoir se faire respecter et bien sûr avoir des qualités physiques. J'en ai eu plusieurs et donc en choisir une c'est toujours difficile. Je dirais la finale départementale U14 à Bégard il y a 2 ans. Et autrement, des matchs à la touche en U17 et U19 nationaux que j'ai pu faire. Mais bon, une finale reste une finale. C'est super enrichissant et super intéressant. Je dirais d'abord venez, foncez. C'est une expérience très enrichissante et très intéressante. Autrement, plus sérieusement, d'accord, il y a des matchs de R2, c'est intéressant d'être titulaire, tout ça. Mais en tant qu'arbitre, on peut très vite progresser. Il y a une forte marge de progression quand on est jeune en plus. Donc on peut très vite arriver sur des matchs de R1. Après, si on est bon dans les tests théoriques, bon dans les tests physiques, on peut progresser vers peut-être la fédération. Et donc espérer avoir des matchs de national. Donc ça, c'est très enrichissant et très intéressant aussi.